En ja, dat moet ik nog vermelden. Er is erg veel berkenstuifmeel in de lucht deze dagen. Mensen die daar allergisch op reageren, goed de raadgevingen van je arts volgen, want voor hen is... Want ook op vrijdag krijgen we bijna rechtstreeks van lucht uit het zuiden, Spaanse lucht, met bijbehorende zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En dan komt het paasweekend eraan. Ja, en dat is altijd een beetje het zwarte beest voor ons weervoorspellers. Ook dit keer weer, hè, met hier een neerslagzone die een beetje tot stilstand komt, net ten westen van ons land op zaterdag. Dat systeem zal uiteindelijk de oversteek maken. En dan komen we in paasmaandag komen terecht in veel koel. Ce sera une petite amélioration également des Pyrénées jusque sur la Corse, avec quelques ondées, mais qui se limiteront au relief. Et puis on retrouvera sur le golfe du Lion de plus en plus de nuages portés par le vent d'OTAN, donc ce sera un petit peu plus gris. Et là, les températures l'après-midi? Elles seront très agréables, ça remonte partout, quasiment partout, on va frôler ou dépasser même les 20 degrés. Plus, voilà. Les 22, hein. Plus 23, la valeur la plus élevée sera sur... 14 degrés seulement à Brest, donc là aussi contrasté avec des valeurs beaucoup plus basses près des côtes de la Manche. Alors, on approche du week-end. Week-end de Pâques, comment ça se présente? Pas très bien. On va retrouver vendredi un front assez pluvieux qui va arriver par l'ouest. L'est sera épargné dans un premier temps. Les températures ne changeront pas trop. Samedi... Attention! Get ready! Load! Take aim! Order arms! Swine, and take that horse-slut painted strumpet with you. May you both rot in the filth of your own fornication. And what did you say to him? Say, madam, I said nothing. I simply pulled up my tights and jumped out of the privy window. Oh, Edmund, you're so naughty. Well,